Monsieur! Bonjour. Monsieur, il s'est passé un truc horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur. Oula. Monsieur. Là, rentrez pas, restez ici. Là. Ah, ils sont là. Eh. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les petits potes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le serveur DG Live France, les amis, en compagnie de Chivas. Donc déjà, si vous voulez rejoindre le serveur et jouer avec nous, tous les liens sont dans la description, les petits potes. Une vidéo où on a été appelé là sur une embrouille, donc avec deux bandes rivales. Donc c'est parti en cacahuète, bref, vous allez voir, on a dû escorter les gars en hélicoptère, tout ça. Je vous laisse avec la vidéo, les petits potes, et surtout, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à me dire dans les commentaires si vous aimez ces vidéos-là. Allez, je vous laisse. Donc on est... Ah, l'appel. Tu le prends? Je le prends? J'ai déjà un appel en cours, prends-le. Vas-y, je le prends, vas-y. Je sais pas si vous en avez parlé avec Jules. C'est au concessionnaire. Je peux pas concessionnaire. Je peux pas mettre le... Ah, c'est sûr. Tiens, tu l'as vu? T'as le point? Ouais. C'est la première base du premier serveur. Ouais, voilà. Bah, sinon, mais si on va tout perdre. Attends, il y a des mecs là, on est là. Ouais, bah en fait, ce qu'ils voudraient, c'est. Ouais, mais en fait, moi, j'ai dit par là. Là. Bonjour, messieurs. Et je vais vous expliquer. Bonjour. Oui. Alors, le groupe de gens là-bas, là, je leur dis bonjour, ils me répondent pas. Du coup, ouais, du coup je leur dis qu'ils peuvent dire bonjour quand même. Et monsieur. Et en fait, attends, tu peux me laisser parler, je suis en train de lui parler, me coupe pas la parole s'il te plaît. Ouais, je dis juste bonjour. Pas et donc, voilà, je leur dis bonjour, ils me répondent pas, je leur dis vous pouvez dire bonjour, c'est la moindre des politesses. Ouais. Et en fait, ils se mettent à plusieurs sur moi, ils m'entourent et ils me disent ouais, qu'est-ce que tu veux, fais pas le mec, voilà, enfin bref, ils veulent me taper tout ça, ils font peur quoi. D'accord. Tu veux vraiment compter. Et moi. Bon, regardez, il menace, regardez. Moi je m'éloigne, j'ai peur. Il invente des choses. D'accord, donc présentez-moi votre pièce d'identité s'il vous plaît. Tenez. Merci. Putain, je sors de la plage, des connards comme ça, je m'en passerai bien. T'inquiète pas, tu sais, c'est des gens. À un moment donné, ça va se retourner contre lui tout ça. Ah ouais, t'inquiète pas. Donc... C'est des menaces encore, j'imagine, hein. Ouais, on te parle pas, toi. Ok, monsieur, on va s'écarter. Non, c'est pas des menaces, monsieur, c'est le karma. Ça s'appelle le karma. Suivez-moi, monsieur. J'ai un très bon karma. On verra. Ah, tu verras. Donc, expliquez-moi votre version des faits, là, s'il vous plaît. Alors, on est arrivé ici au garage. La personne a commencé à nous parler, à nous dire bonjour, etc. Parce que. Ouais. On était en train de parler en radio, du coup on lui a pas forcément répondu. Puis il a commencé à s'exciter sur nous, nous dire ouais, et votre famille elle vous a pas appris la politesse, Annie. Du coup, moi j'ai commencé à m'énerver, il parle pas de ma famille, tu vois. Et du coup, après il a dit ouais, on l'a menacé, Annie, alors qu'on a voulu juste parler normal, quoi. D'accord, ok. Bon, je vais vous inviter à continuer votre soirée alors et. À éviter cette personne. Ouais, non, mais de toute façon, Julien va voir Chivas, il va te parler, parce que du coup, je lui ai expliqué, là, normalement, il est censé les embarquer. Allez, bonne soirée, messieurs. D'accord, ok. Ouais, ouais, merci. Ils m'ont dit, ouais, on va te taper, qu'est-ce que tu veux vraiment qu'on te tape, tout ça, enfin, ils m'ont même insulté de connard, donc bon, voilà. Ouais, donc voilà, c'est tout. Bah, ils menacent, c'est tout, je vous appelle, parce que j'ai peur, quoi, je suis tout seul, ils sont quatre, je suis pas rassuré. Non, mais c'est des personnes qui sont très connues. Bah, ils sont assez connus dans la ville, ne vous inquiétez pas. Oui, bah, excusez-moi. Non, vous inquiétez pas, vous avez bien quand fait d'appeler. Quand menace, moi je suis pas rassuré. Hein. Vous avez bien fait d'appeler. Mais vous inquiétez pas, avec ces gens-là, il n'y a pas de problème. Et je peux pas porter plainte du coup? Vous voulez porter plainte? Ils m'ont quand même menacé, quoi. Bah, ils m'ont quand même menacé, c'est pas rassurant. Restez là, monsieur, s'il vous plaît, restez là. Jules, tu peux partir devant déjà pour écouter ce que le monsieur a à dire. J'arrive là, je veux juste savoir la version de John. Ok, ça marche. On se rejoint là, tout de suite. Hein.
Ah. Oh là là, je vous jure. Donc alors, je m'assois. Oui, oui, je vous prie, je vous prie. Donc alors, expliquez-moi alors ce qui s'est passé. Alors, pour faire simple, j'allais chercher ma voiture pour me balader avec mon frère, tout ça, pour lui faire un peu autour de la ville. D'accord. Donc j'ai demandé votre nom, votre identité, s'il vous plaît. Votre nom, prénom. Ah, attendez deux secondes, je cherche le papier. Alors, je m'appelle Haiti Linchizuna. D'accord. Et donc voilà, donc j'allais promener mon frère normalement, c'est mon petit frère, donc voilà, je le promène tout ça, je l'emmène là où il veut, quand il en a besoin. Et là, je croise ces gens. Donc moi, puisque quand j'étais petit, on m'a appris quand même un minimum de choses et à dire bonjour quand on croise une personne et lui dire au revoir si on. Voilà. Et plus si affinité. Donc je leur dis bonjour, ils me répondent pas, donc je leur dis excusez-moi monsieur, tout en étant poli, vous pourrez quand même me dire bonjour, sachant que je viens de vous dire bonjour moi-même. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ouais, commence pas à faire le malin, on va te taper, tout ça. Donc là, je fais quoi, vous voulez me taper, y'a pas de soucis. Et c'est pour ça que je vous ai appelé de suite. Et après, vous l'avez bien vu, ils ont commencé à vouloir me taper encore plus, à m'insulter, et bref. Ils étaient plutôt agressifs. J'en passe quoi. Voilà, ils étaient très agressifs et menaçants. Alors, j'ai pris votre plainte en compte, hein. Donc on va essayer de faire le nécessaire. Et je pourrais au moins avoir le nom de ces personnes, pour savoir contre qui j'ai porté plainte. Il y a mon collègue qui arrive. Mon collègue, il connaît. D'accord. Il les connaît. Ah, excusez-moi. Non, pas de problème, j'ai les épaules larges. C'est papy, il a un petit peu de mal. Le tapis glisse un peu là. Ouais, non, mais j'ai vu qu'il glissait un peu quand je suis rentré. Donc, monsieur a voulu porter plainte contre la grève. Oh, bah, il s'assoit sur moi, papy. Merde. Papy. Je veux pas savoir ce qui se passe entre vous. Hein. Il a plus toute sa tête. Alors aussi, et je voulais juste rajouter un petit truc que tout à l'heure, je me suis trompé de vitesse, donc j'ai fait une erreur et je suis malheureusement rentré dans la voiture d'une personne, donc je voulais faire un je sais plus comment on appelle ça, là, le papier qu'il faut pour que je paye ses réparations, tout ça. Ah voilà, merci monsieur. Et en fait, il a pas du tout apprécié, il a sorti un pistolet et m'a tiré sur la voiture. C'est pour ça que je vous ai appelé une première fois. Et en fait, j'ai réussi à m'enfuir, donc il m'a pas touché ni rien. Il m'a juste abîmé un peu les pneus. Mais bon, j'ai pu les réparer. Du coup, je sais pas du tout qui c'est, comment ils. C'est juste qu'ils avaient une casquette et des vêtements plutôt couleur sombre. C'est tout ce que je peux vous dire pour eux. Vous avez passé un premier appel, non? Un peu plus tôt dans la soirée. C'était vous? Oui, bon, oh là là, attends. D'accord. C'était quoi ce bruit là? C'était pas une balle? Il y a eu un coup de feu, attendez, bougez pas. J'ai fermé restez les portes. À l'abri, monsieur, restez à l'abri dans la gendarmerie. Venez avec moi, monsieur. Venez avec moi. D'accord, je viens avec vous. Il y a trois zimps. Elle est là-bas, la voiture. La blanche là-bas, là. Ouais, vas-y, on va aller voir. Vous êtes où, les gars? Elle est là-bas, la voiture. Faites gaffe, il y a une voiture blanche là-bas. Attention, ouais. Sim. Qu'est-ce qu'il y a eu ici, là? Automatique. Descends de la voiture, là. Descends. On a eu trois impacts de balles sur la vitre principale du commissariat. Pourquoi vous êtes juste en face? On a eu des tirs, là. Juste en face, monsieur, on a envie de... En même temps, on a un peu une plainte sur le cul par deux connards, tu vois, donc c'est encore normal qu'on soit... Restez ici, là, restez ici, monsieur, restez près de la voiture, là. C'est qui le mec en... Oh là là, le monsieur en blouson, là, il... C'est bizarre. Reculez, monsieur, reculez, là. Ouais, vous êtes sûr que c'est pas lui qui a tiré? Parce qu'il a plus une tête bizarre, moi, je trouve. Il procédait à une palpation de sécurité, monsieur. Gardez bien les mains en l'air. Bien sûr. Bien sûr, bah qu'est-ce qu'on fait là monsieur? On est en ville enfin, on a le droit d'être là, moi je suis là depuis tout à l'heure, je vous ai vu sortir du commissariat, j'étais déjà là et je suis resté là, y'a pas de problème. D'ailleurs quand vous êtes sorti comme ça, vous avez vu, j'étais en train de réparer ma voiture. Jean-Charles Bazot, je vous ai confisqué 0$, MDR. Vous m'avez confisqué 0$?
Je m'appelle pas Jean-Charles. Je m'appelle pas Jean-Charles. Je sais pas, moi c'est écrit Jean-Charles Bazoche, je vous ai confisqué 0$. C'est qui cet enculé de Jean-Charles Bazoche? Je vais l'attraper lui, à mon avis, Jean-Charles. Oui, on va le calmer. Personne en face, ouais, comme par hasard, une des deux personnes était présente sur l'incident juste avant, donc. Oui, c'est celle avec le manteau. D'ailleurs, les gars, il est devant là. Bougez pas, restez. Allez derrière la porte là-bas. Mettez-les là-bas là. Mettez-les là-bas, s'il vous plaît, les gars. Il y a quelques. Garde-les là, ils sont juste. J'ai entendu une balle, non? Ça a encore tiré? Ouais, pourquoi tu me tires dessus? T'es sérieux ou quoi? Ouais, pourquoi je te tire dessus? Tu crois que je t'ai pas vu amocher la voiture du monsieur là? Tu crois que j'ai des. Mais je viens d'arriver, qu'est-ce que tu me racontes? Te fous pas de ma gueule, te fous pas de ma gueule, il y avait une paire il y a 2 minutes juste devant là, et la voiture du mec. Ça a qui la voiture? D'accord. Ça a qui la voiture là? Bien sûr. Sur Wallah maintenant, c'est pas vrai. Sur Wallah. Mais je suis pas narra pour dire Wallah, tu sais. C'est à qui la BM là? Genre la vie. Ta mère, t'étais pas devant, t'as bien pas de taper dans sa voiture, j'étais juste. Bah non, je vais pas te. Mais tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Merde, le fils de pute ou quoi? Si j'ai envie de jouer un truc contre lui, je rentre en comico, je tire dessus. Qui d'autre NP1 grise dans la ville? Tu vois, je te montre que je m'en bats les couilles de lui et je rentre dans le comico, je lui tire dessus. Ah, la voiture, la BM qui est devant, ça appartient à la victime qui est dans le commissariat. La victime qui veut porter plainte contre John. C'est sa voiture, la BM, là, qui est garée là-bas. Ah oui, et comme par hasard, John, une P1 grise qui fonce dedans. Même que toi, non, qui d'autre a une P1 grise ici? J'en ai vu qu'une. Il vient de me menacer de mort. Il vient de me menacer. Va bien, messieurs. Il vient de me menacer de mort. Ouais. Il est venu me voir, il m'a dit que j'étais un homme mort. Là, oui. Là, vous êtes en sécurité. Il faut l'arrêter là, il est. Parce que là, il est dangereux. Il est en train de. Ouais. Bougez pas surtout, monsieur, bougez pas. Vous inquiétez pas, je bouge pas. Ok, il y a des menaces de mort, papy. Rentrez. Ouais, on sait pas comment s'est retrouvé dehors en fait. Rentrez vite. Je vais vous ouvrir. Je suis désolé, sur allez-y, mon arme, rentrez, mais je me sens pas en sécurité en fait. Parce que là, ils viennent se faire menacer hein, quand même. On a entendu. Bon, restez ici, mettez-vous dans la pièce ici, là, vous êtes en sécurité. Okay. On va régler ça. Excuse. Et du coup, c'est qui nous veut du mal? Ah bah alors non, s'il vous plaît. On peut pas divulguer. Là, je vous cache pas que vous êtes attaqué à des gros bonnets de la ville. Je vais vous dire un peu. Des gros bonnets. En gros, ouais. En gros, il y a des personnes, celles que vous avez juste vues tout à l'heure, voilà. Tout ce que je peux vous dire, vous aurez pas leur nom. Voilà quoi, ils sont venus se plaindre, voilà, ils voulaient vous agresser parce que vous venez porter plainte, quoi. Mais inquiétez pas, je les connais. Il y en a un qui est assez énervé. Je sais que s'il y a un problème, ça sera avec moi qui se réglera et on verra bien comment ça va se passer. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ici, vous êtes en sécurité. Après, faut voir. Le problème, c'est que. Par contre, là, si vous sortez de. Pour aller jusqu'à voilà. Un appartement de. Chez vous avez un appartement, un truc comme ça, on peut vous escorter si vous voulez. Ouais, j'ai un appart. On va escorter jusqu'au nord. Au nord de la ville. Personne puisse vous voir. J'ai... Mon frère a un appartement. D'accord. Bah du coup, faut mieux les escorter là-bas. Après, par contre, après, quand sinon on part, après... Non mais déjà, il va y avoir une procédure, déjà... parce que la dernière fois qu'on a voulu escorter, que j'ai voulu escorter une personne, bah ça a fini en fusillade derrière le commissariat, et ça s'est pas très bien terminé, le monsieur, les témoins. Donc là, on est trois, donc ça allait mieux se passer, mais bon. Surtout faut faire gaffe, c'est si jamais on sort par derrière,
Faites gaffe au pont qui est juste au-dessus parce que c'est là que tu peux tirer de dessus. Ouais, bah, regardez les empreintes de balles là sur mon bras, bah, c'est la dernière fois. Oui, bah, moi, je vais sortir les voitures là. Ouais, mais non, mais du coup, on fait quoi? Je les mets derrière, j'en mets une derrière et. Restez là, messieurs, restez là pour l'instant. Sinon, j'ai une meilleure idée, papy. T'as accès à l'hélicoptère? Oh là là. Non, mais je crois qu'il y en a un sur le toit, mais le problème c'est que... Attends, bah je vais aller voir, je vais aller voir. Tu serais capable de le piloter, tu serais capable de... Moi j'ai un brevet de pilotage si vous voulez. Restez là messieurs, bougez pas. Restez là. Ne t'inquiétez pas, c'est fermé. Il y a un coup de feu là. Coup de feu, j'ai rapproché un véhicule dans la cour arrière. Julien, tu connais bien l'hélicoptère? C'est en dessous. T'as pas laissé la porte ouverte? Non, t'as c'est fermé. La porte ouverte? Non, j'ai fermé. Ouais, je suis sûr. J'ai fermé la porte principale. Sur le toit là, juste je regarde aux alentours. Il y a un hélico qui est dispo, bah écoutez. Ouais, il y a un hélico qui est dispo. Hein. Je vais prendre une voiture et un hélico. Il y a devant, faire une diversion. Alors, si tu veux, tu peux les emmener en hélico. Reviens là, toi. Je peux pas le piloter, j'ai pas la manette. Au fait, allez, rentre. Moi, je vais le piloter. J'en ai un là-bas, là. Il y en a un là-bas, là. Attends. Il est sur le parking, là. Restez là, messieurs, on s'organise et on tient au courant plus vite. Ouais, pas de problème. C'est possible de faire un petit peu vite parce que. Ouais, tout le monde passe. Ouais, on essaye. Tout le monde passe en fait. Ah, mais à 20 km. Venez avec nous, messieurs, là, on va aller monter là-haut. Vous allez me suivre, s'il vous plaît. On va prendre. On passe par devant. On va monter sur le toit, messieurs. Ça va être plus sûr. Attendez avant de sortir. Ok, il peut pas sortir une vidéo. Parce que de l'hélico, il peut. On est sorti. Suivez-moi, monsieur. Non, ici, monsieur. Ici, là, montez là. Allez, montez. Ouais, des gyros d'activer, là. On monte sur la tour de contrôle, les gars. Enfin, on t'emmène les gars, là. Les gars, ouais, bah. Je suis en haut, mais attendez. Attendez, messieurs, restez à l'intérieur. Bougez pas, attendez. Faut les emmener, les gars, chez eux. Ouais. Allez-y, ramenez-les. Je fais chauffer. Attendez. C'est moi. Tu bien, tu sais piloter? Ouais. Ils sont dedans là? Non, attendez. Attends que le moteur il chauffe. Comme ça on part direct. Il faut mettre un point par contre, je sais pas où ils habitent moi. Bah, demande-leur avant. Ouais, demande-leur. C'est à qui le chien là? C'est à qui ce chien là? C'est à Pépi ça? Ah non, c'est pas à moi, je sais pas c'est à qui ça. Monsieur, allez dans l'hélico, sortez. Demande-leur où ils habitent avant. Ouais, demande-leur. Attends, bah vas-y, ils vont te mettre un point. Par contre, mettez un point. Ouais. Parle. Mettez un GPS, vite! Montez dedans. Je peux pas, j'ai pas de place. Vous pouvez pas monter? Comment ça? Non, je peux pas monter. Vous allez avec mes collègues en leur voiture. Mais c'est moi qui ai les clés de l'appartement! C'est moi le maître de l'appartement! Bah, descendez alors, il y en a un qui descend et le propriétaire il monte là. Voilà, monsieur, vite, allez à l'intérieur! Allez de l'autre côté là, s'il vous plaît. Il faut mettre un point GPS s'il vous plaît, faut rentrer l'adresse. Alors attendez. Si vous voulez rentrer l'adresse de notre appartement là. C'est bon. Ok, bon, on y va les gars. Allez, si, ouais. Moi je décolle. Monsieur, le chapeau, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a un véhicule en bas là. On va chercher le véhicule en bas. Ok, vous avez pas le mal de l'air, messieurs, non? Non, pas du tout. De toute façon, j'ai mon permis de pilote. Ouais. Ok, les collègues sont en train de sécuriser les lieux en bas. Ils sont en train de sécuriser tout ça et on va descendre dans un peu de temps. Attends, Jugame, tu vas réussir à descendre, tu penses ou pas? Ouais. Bah, si tu arrives, je décolle. Tu peux descendre là, essaye de descendre et te poser à peu près là où je suis devant l'entrée.
je suis en train de sécuriser. Attends, je vois qu'il y a personne pour l'instant. Il y a quelqu'un en dessous. C'est un okay, collègue. Il y a la voiture blanche. C'est vrai, où ça, monsieur? Où ça, qu'est-ce qu'il y a? Oula, désolé, 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 désolé. Putain, j'ai mis un coup de feu comme un con. C'est sérieux quand même. Vous pouvez vous dépêcher, il y a une voiture qui est un petit peu bizarre qui tourne. Essaye de te mettre de façon à ce qu'il apporte et puisse, tu vois. C'est sur le côté, pour comme ça il sort direct, voilà. Voilà, mettez-vous dans le fond, monsieur, ici là-bas, là. Mettez-vous ici là. Oula, oula, oula. Allez, sortez, allez, messieurs, dépêchez-vous. Vite, vite, vite. Il y a un mec qui pourra pas rentrer, faut qu'il se mette à couvert. Vas-y, venez, monsieur, monsieur. Venez, venez, venez. Il y en a qui est là. Il est où, l'autre? Non, mais... Monsieur. Oui? En fait, on a un énorme problème. Vous savez, il y a un problème avec les apparts et on peut pas rentrer dedans. Ah. L'opération. Et j'avais oublié ce petit détail. Attends, il y a un véhicule. Du coup, ma clé marche pas, alors. Ah, et j'ai peut-être une idée. Venez me voir à l'intérieur. Si on se fait entendre, on sait jamais. Vous écoute. En fait, j'ai réfléchi que si. Si on nous amenait. À nos voitures et que. On allait changer de look, d'habit, tout ça. On pourrait pas nous reconnaître, ce monsieur. Ouais, ouais. C'est une idée. Je permettrais. Je vais en parler à mes collègues et. Je vais en parler à mes collègues. D'accord, d'accord. J'ai rien. Montez, moi je voudrais mettre. AZ et espace. J'ai parlé avec les gars, ils veulent qu'on les amène à leur voiture et qu'ils aillent changer de look. Ouais. Quoi qu'ils se fassent reconnaître. Ouais, ouais, bah on va les escorter, t'inquiète, deux secondes. Juste. Je te laisse prendre l'hélico, les gars. Bon, on va vous escorter, messieurs, jusqu'à vos voitures, là. D'accord? On va vous escorter jusqu'à vos voitures et vous irez changer d'apparence. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ils sont deux. Monte, Chivan, on va partir. Donc on vous amène au garage, messieurs, c'est ça? Vous voulez qu'on vous dépose au garage? Bougez pas, je vais mettre ma. Les voitures à la gendarmerie. À la gendarmerie? Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles ont été embarquées par la fourrière. Elles ont été enlevées par la fourrière, monsieur. Ah, ça, je sais pas, partie, il y avait de la fourrière. Il y a la fourrière, qui les emmenait quand on partait. Il y a une dépanneuse qui est arrivée et a pris la BM noire qui était devant le commissariat. Je crois que c'est bon, les gars, je peux piloter, j'ai trouvé les touches. Nickel. Ok, bon, bah. Mais faut pas aller au commissariat là, y'a un mec qui vient de m'appeler, il y est justement. Ah ouais, bon. Ah oui. On va vous emmener vous changer. Attendez, on va aller un peu plus loin quand même. Mais un point. Oui, oui. Vous voulez pas changer de. Non. Faire gaffe parce qu'il y en a un qui tourne. Allez vous changer monsieur, on reste dehors. Ok. Non. Il y a quelqu'un qui arrive. Attends, je me mets en vol stationnaire. Au nord, mais moi aussi je suis allé au nord. Il y a quelqu'un qui arrive. Moi je suis au niveau de l'aéroport. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oula, 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 oula. Rentrez pas, rentrez pas, rentrez pas, rentrez pas. Rentrez pas, restez ici. Restez dehors. On peut plus changer? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Parce qu'on va finir parce qu'ils vont finir dans mon coffre. Je rigole. Revenez plus tard, s'il vous plaît. Revenez plus tard, monsieur. Les gars, j'ai reçu un message de John. Oui. Dis à tes gars d'arrêter de nous viser. Bon, bah, ok, non, mais me tirez pas dessus. Oh, je veux juste me changer. Ouais, non, circulez pour le moment. Pas pour l'instant, là. On est en mission, là. Y a pas. Les lieux sont pas. Sont pas accessibles pour le moment, monsieur. Mais attendez, mais j'ai pas compris pourquoi vous menacez en fait avec votre arme. Papy, on a besoin de toi là. Ouais, ouais, on a besoin de toi. J'ai pas compris pourquoi vous menacez d'une arme. Les deux autres, ils ont fini de se changer là. Bonjour, monsieur.
Ah oh vache, ils sont 4 là. Ah ils sont 4. Mais monsieur là, restez pas ici là. Mais depuis dispersez-vous s'il vous plaît monsieur. Mais il y a d'autres magasins en ville d'ouvert à cette heure-là, vous pouvez aller à d'autres magasins. Non, mais attendez, moi je vais pas dans un autre magasin. Montrez-moi un papier qui me prouve que j'ai pas le droit de rentrer dans un magasin. Le magasin il est ouvert, il est accessible à tout le monde. Vêtements... C'est quoi cette histoire? Vous êtes allé à celui-là, moi je suis allé carrément dans la campagne. Ah ouais, bon, je vais me changer, monsieur. Désolé. Non, restez ici, monsieur. Rentrez pas. Pourquoi je peux pas rentrer dans le magasin? Il y a le président de la République à l'intérieur. Vous avez pas le droit pour l'instant. On a réquisitionné le magasin pour une personne. Le magasin est réservé pour une personne? Oui, tout à fait. Attendez, je vais vous donner de l'argent. Non, pas d'argent. Gardez. On n'a pas besoin d'argent, monsieur. Je peux rentrer, c'est bon? Non. Vous êtes sérieux, monsieur? Bah, je veux rentrer dans le magasin, j'ai besoin de changer de vêtements. On vous dit que le magasin est pas accessible pour le moment. Mais il est pas accessible, mais s'il est accessible, regardez si je pousse la porte, c'est où? Non, il est. Non, mais là. Faut dépêcher, monsieur, là. Ils sont dehors. Oui, j'arrive, une dernière fois. Donnez-nous 5 minutes, c'est tout. Il manque le haut. D'accord. Et sortez pas tout de suite, par contre. C'est des simples flics, non? D'où vous avez les droits d'interdire l'entrée d'un magasin public? Ça, je comprends pas, en fait. Là, monsieur, vous pouvez me dire, pour comment ça se fait, je vois pas vos pieds. Que c'est des chaussettes invisibles. Ouais, voilà, c'est une nouvelle chaussette transparente. J'ai sauté de l'hélico. Oh non. Bah, elle a explosé. Non, mais c'est pas accessible pour l'instant, monsieur. T'as deux gars avec toi? Ouais, mais il n'y a pas d'interdiction à avoir. Tant que vous n'avez pas de papier de votre supérieur qui dit que le magasin est fermé, ok, en gros, vous avez le droit d'interdire l'entrée au public. En plus, j'ai envie de chier, c'est un truc de ouf. Pour deux clochards là qui ont 100 balles dans leur compte. Ok, bon, on va y aller, monsieur. Ah, le président de la République. De toute façon, on va y aller là. Montez dans le véhicule, monsieur. Allez-y, monsieur, allez, montez. Allez-y, maintenant, vous pouvez y aller. Allez-y. Vous pourrez me dire quand le magasin rouvre, s'il vous plaît? Allez-y, vous pouvez y aller, monsieur. Allez-y, là. Allez-y. Ah, c'est pour ce monsieur-là, là, que le magasin était fermé? Monsieur, il n'y a plus de. Oui, c'était pour ça. Bonne soirée. Allez. Bonne soirée. Faites quoi, le monsieur avec votre doigt, là? Monsieur, faites pas ça, là. J'ai peine, les gars, je vais nous chercher un véhicule, mais avant... Faut pas vous étonner, après, si ils veulent vous... C'est un problème avec mes muscles pour bouger. Vous avez bien vu qu'ils étaient à votre... sur votre dos, là, les personnes, là. Si vous les aguichez comme ça, monsieur, nous, on peut rien faire pour vous. On vous laisse sur le bas-côté et puis vous démerdez avec eux. Non, mais j'ai pas fait... J'ai deux places, mais trois, je suis pas sûr. Vas-y, c'est bon, il est là. Coup de feu. Ouais, regarde où c'est. Coup de feu, c'est au commissariat. On va les laisser, on ira juste après. On va aller les voir. S'ils veulent une bonne leçon, ils en prendront une. Vous êtes où, vous? On est bientôt arrivé. On est arrivé. Après, je crois que la véhicule a cassé. Trop de retourner en ville pour le moment. Attendez un peu que ça se tasse. C'est bon, il est là, il est là. Vas-y, avance. Vas-y, c'est là. Oui, bah après, là je peux vous dire que sur la centrale on a beaucoup de coups de feu en ville là, ils sont énervés. On le laisse là et puis. On va les régler ça après, là ils font trop les malins. Ça va aller, monsieur là? Ouais. Oui, c'est comme les cailles. J'aurais bien appelé un mécano, mais les mécanos c'est ceux qui vous recherchent en plus. Ouais. Voilà, les gars. Ah, c'est bon. Vous êtes. Ah, nickel. Véhicule a un peu souffert. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'agent. De rien. Et attendez à vous à recevoir un CV de ma part. Et de D'accord, ma part okay. De mes frères. Pas de souci. Sur ce, bonne journée. Soirée, faites attention. Faites attention à vous. Oui, merci. À vous aussi, hein. On a dû vous créer des ennuis. Oh non, ça. Ça a été. Allez, bonne soirée, monsieur l'agent. Et merci pour tout. Eh les gars, retourne en ville, ils font les malins, moi je m'en bats les couilles, je leur mets leur branlée, ils commencent à tirer, à faire les malins. Tant qu'ils tirent pas, on fait rien, mais s'ils commencent à tirer... Ouais, vas-y. Il y a un derrière, sur ta droite. Sur ta droite, Julien, sur ta droite. Ouais. Oh, ça fait trop de bruit en plus, les gars.
Ah il en est cramé, attendez vas-y je fais le tour. Faites gaffe ils sont sur le toit là, le coup de feu les trucs. Ah j'ai vu, tu les as vu, tu as vu Jugum, ils sont là-bas. Vas-y vas-y va. Ils sont où? Vas-y vas-y. C'était Papy ça non? C'est Papy. C'était moi, c'était moi. C'était. Là là ils sont là gros, il y a le 4x4. Vas-y. Il y a le 4x4 qui est garé derrière là, vous le voyez? Dites-moi si vous vous faites agresser hein. Attends j'ai un bug avec ma main. Putain il est comme ça. Attends vas-y je monte avec toi là-haut. Vous voyez qu'il y a le 4 noir là qui est garé là? Ouais. Où? Mais là-bas ouais je regarde où je vise là-bas. Ah oui 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 exact. Ouais bah ils sont par là, attendez. Attends. J'ai un bug avec ma main, regarde. Je sais pas si vous voyez. Faudrait que quelqu'un y rentre là-dedans là. Ouais, si vous êtes chaud, vous êtes chaud à y aller et à monter en haut pour voir là. Dans le parking? Ouais. Dans le parking. Ah ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ah ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils montent, ils montent, ils montent. On tire quoi. Oh merde, j'ai tiré. Eh eh eh! Eh, stop, police! Oh, ils, police, ils m'ont police, tué! Police, police, police! Il y en a deux, il y en a d'autres derrière toi, fais gaffe à gauche! Allez, rendez-vous! Allez, rendez-vous là, c'est un gendarme! Non, non! Il en reste un, il en reste un! Derrière, derrière, derrière! Eh, mais moi j'ai bugué! Personnage, il est bugué! T'as un guet-apens, hein, c'était sûr! C'était dans notre dos, les gars!